תקסים את הלב ולהצליל רועד בוקע ממיתרים נשפך כן נגן כינור נגן שיריך לרב החושך והשקט סביב מנגינותיך ישכיחו את סבלי נגן, נגן וקוצי לחמה נעים לו החלום נגן, נגן qu'il était malade, il ouvre cette nuit, il dit, il faut faire X, Y, Z, il fait X, Y, Z, il est guéri. Shalom, on ferme les livres, on va. Il est venu un roi, il a caché. Et Chachamim, ils ont dit, t'as bien fait. Alors Chachamim, il dit, quoi, tu lui dis, bien fait, t'as caché un livre. Tous les problèmes qu'on avait, on trouvait dans cette livre. Comment tu dis que c'est bien fait qu'il a caché? Il n'a pas bien fait, il ne fallait pas le cacher. Alors il a dit non. Cette livre, c'est devenu une avoda zara. Parce que pourquoi Hachem il a fait qu'il y a des problèmes dans ce monde? Des parnassa, des maladies, des shlombaï, des éducations, qui t'a mal aux pieds, qui t'a mal au dos, qui t'a mal X, Y, Z. Pour que tu réveilles tes yeux, tu parles avec Hachem. Alors qu'est-ce que les gens ils ont fait? Ils ont mis comme un toit, ils ont ouvert la livre. C'est quoi le problème? Stop, c'est bon. Mazé, la gava, elle a commencé, l'orgueil, parce que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas besoin de personne. La Torah elle dit quand l'homme il est rassasié, commence à donner des coups de pied, tous les fatigues, tous les nerfs, qu'est-ce que toi tu viens avec tes idées? Mais quand il commence à voir qu'il n'a pas de solution, puis il commence à réfléchir. Donc il n'y a pas de livre pour les guérisons, il n'y a pas de solution pour rien. Alors qu'est-ce qu'il fait l'homme? Aujourd'hui on voit quoi? Ce que tu es en train de dire aujourd'hui, tout le monde de la refoua de médecine, ils tombent. On voit que c'est beaucoup de mensonges dans les médecines. Il y a beaucoup d'intérêt de l'argent, beaucoup d'intérêt d'idéologie X, Y, Z. Le monde de la nourriture, ils tombent. Même les cacheroutes, on voit que ce n'est pas tellement cachère. Là, j'ai reçu une vidéo, là, un instant, au chômage. On voit comment on pompe les poulets avec de l'eau. Comme ça, tu as vu? Ouais, ouais. C'est vrai, il devient de 1 kilo, peut-être, il devient 1 kilo 100. Oui, c'est peut-être pas beaucoup, mais bon, son quantité. Il rajoute même de l'eau dans les paquets. Donc ça, c'est juste ça. Tu vas dire, c'est rien, un peu d'eau, ça fait pour les bols, joli. Il gagne un petit peu, c'est pas grave. Il n'y a pas, c'est pas grave. C'est que la Torah dit pour ta qui dit, mais un mensonge sur une petite chose. Et une mange chose, quelqu'un qui vole un centime ou qui vole un euro, c'est la même chose, ou mille. C'est qui c'est un mensonge. Donc on voit que quoi? Que tout ce que tu es en train de dire qu'il y a des épreuves, c'est que l'homme, il commence à détruire ce bel monde qu'Hachem a créé. Est-ce que tu comprends ou pas? C'est pas qu'Hachem, il a fait qu'il y aura des épreuves, que l'homme tout seul. C'est marqué, Hachem bara et Adam yachar. ואמא ביקשו חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא לקרוא אלום עוד דבי, תות את דרועה, תות את, יש אפילו ספר כמספל, ספר הישר, תות את דרועה, קלר, תפה דה קייסון ומי, חווה, אי אדם, דה קייסון, ואמא, ואמא, סביד ירקוע ואמא, זה דה פלוריאל כבר. פלוריאל, איזון כמוסי, הדמודד דה קונט, דה קלקול, איזון כמוסי הקומפליקה לשאול. Parce que l'homme, s'il est collé à Kadosh Baruch Hu, si l'homme il est collé à Hachem, il n'est pas paresseux, il n'est pas égoïste, tu déjà pas paresseux, pas égoïste, tu enlèves 50% qu'on a des épreuves aujourd'hui. Regarde l'épreuve, tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, l'humanité, l'homme il devient plus égoïste qu'avant. Tu regardes dans les relations entre les gens, les relations avec les grands-parents et les parents même. Tu vois que l'homme, il est très égoïste, donc il est prêt à payer, à laisser moi tranquille de tous les domaines. Donc il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup de paresse. Les gens, ils ne veulent pas faire des efforts. Tu sais très bien que tu fais le tour du monde.
Si tu dois faire quelque chose dans cette monde, tu es venu pour faire quelque chose. Donc, c'est pas la peine de tourner autour des choses pour soi-disant gagner des temps. Tu comprends? Parce qu'on a dit plusieurs fois, rappelez-vous de cette chose, chaque fois, je répète ça, il y a deux chômages dans la vie, malheureusement. C'est quelque chose de dur à entendre, c'est un peu... c'est pas agréable, mais on va dire comme ça, il y a deux chômages, il y a une qui est courte, elle devient longue. Une qui est longue, mais elle devient courte. Vous vous souvenez, c'est deux chômages. Les deux, Y et Y, doivent arriver dans le même rendez-vous. Un, il va arriver bien, parce que c'est vrai que peut-être il a perdu un petit peu de temps avant qu'il a démarré son chemin, d'accord? Mais c'est soi-disant un chemin long, mais il devient court à la fin. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y a à faire dans ce monde, il a des choses à faire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je le fais tout de suite. L'autre, il a dit, moi je ne vais rien entendre ce qu'il y a à faire, laissez-moi tranquille, moi je vais tout de suite faire ce que je veux. Je vais aller tout de suite dans le chemin, je ne vais pas perdre le temps, je n'ai pas le temps à même pas t'écouter. Il n'y a pas de problème. Prends ce chemin qui, soi-disant, il est court. Mais après, dans le chemin, tu vas voir que tu as oublié plein de choses, que tu seras obligé de retourner, et encore partir, et encore te retourner, et encore tu as oublié, et ça s'est bloqué. Ça... Qu'est-ce que tu crois que c'est court? Ça devient long. Et c'est quoi cet exemple que Rachamim nous dit? Celui-là qui ne veut pas faire la Vodat Hashem, celui-là qui fait la Vodat Hashem. Vous comprenez? Bah, sauf les deux, ils ont le même rendez-vous. Et c'est ça le problème que Chachamim il dit, que les heures, il parle de notre génération. Tu as des gens, Baruch Hashem, magnifiques, il y a beaucoup de mouvements de la Torah. Mais malheureusement, c'est beaucoup à cause des épreuves. Mais viens quand tout va bien, t'as mal nulle part, tu n'attends aucun examen, tu n'as pas perdu l'argent, ton mari il est là, tes enfants, tout va bien. N'irai autre que tu viens. Tu es capable de venir quand tout va bien. Problème que... Pas beaucoup de gens, malheureusement, pas tout le monde vient quand tout va bien. Remarquez, même quand tout va mal, il y en a qui ne viennent même pas. Malheureusement, de cela, vous savez, aujourd'hui, dans les Shabbat, une fille, elle nous a raconté au cours qu'elle avait un invité qui voulait, il lui a dit, je ne veux pas faire birkat. Je n'ai pas envie de faire birkat. Je lui ai dit, peut-être, il a honte, il ne sait pas le faire. Tu cherches, capsroute, tu cherches. Je lui dis non, pas du tout. Il sait très bien le faire. Mais il ne veut pas le faire. Tu comprends? Ça veut dire, au même temps, tu sais, le Sefer Tomer Dvora, il dit, tu sais comment on appelle Hachem? C'est Rabbi Chaim Cordovero qui a écrit cette livre. C'est un grand sadique. Si ce n'est pas écrit dans le livre, tu n'oses même pas de répéter ce que tu dis. Il appelle Hachem Melech Alouv, un roi. Méprisant, c'est ça, méprisant, on dit Alouv. Méprisé. Akadosh Baruch Hu, Melech Alouv. Ça veut dire, regarde comment il nous donne à respirer, à voir, à entendre. Et en même temps, on prend tout ce qu'il nous donne. Je prends l'oxygène que tu me donnes. Si Achazrel, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas quelque chose, il fait que la main de la personne est paralysée. Il ne peut même pas bouger. On ne parle pas de respirer, de voir, d'entendre et tout ça. Et en même temps qu'on utilise tout ce qu'il nous donne, on va contre lui. Tu comprends? Il ne dit rien. Il attend que l'homme fait tchouva. Donc, tu n'as pas une preuve d'amour plus grande que ça. Tu prends deux personnes, même une femme, une maman avec son fils. Elle n'aura pas la patience que c'est elle qu'elle est nourrie, qu'elle l'a amenée dans le monde, qu'elle fait tout pour lui. Et il va la répondre pas bien. Elle va tout de suite, elle va les punir. Bah, Hachem, il ne nous punit pas tout de suite. Il attend. Tu comprends? Et quand tu dis qu'il y a des gens qui, malheureusement, après tout ce que Dieu qu'il voit, et quand même, il ne bouge pas, ça, c'est que Dieu les aide. Moi, on ne parle pas de cette catégorie de gens. Ceux qui font leur is, ceux qui font pour énerver. Parce qu'un juif, tu as trois signes que tu connais un juif. Baishan, Rahmat et Gomel Chassadim. Un juif, si tu veux connaître un juif, tu regardes s'il est miséricordieux, il est un peu timide, il fait des chassadim, il ne pose pas de questions. Il y a une chesed à faire, une gmelut chassadim, une tova ici à droite à gauche, il va le faire. Quand tu vois un homme qui est opposé de ça, Rachamim lui dit peut-être vérifie si Bichlal, ses parents, ils étaient à Arsinaï, tellement que c'est dur de voir un juif qui est comme ça, dafka. Donc, tu comprends? Moi, je ne sais pas quoi dire à ces gens-là. Là, on ne parle pas de ces secteurs. On parle des gens que
Un homme, il a des épreuves, il a des problèmes. La Gemara dit, et Yesourim baim à la dame, Ishav yipashash bemaasav, il s'assoit, il regarde, il regarde, il regarde, il regarde, il fouille ses actions. Chipes velo matza, il kla bebitul Torah. Il a cherché, il n'a pas trouvé. Il va dire, bon, il faut que je peut-être accélère un peu plus dans la Torah. Tu comprends? Mais c'est sûr que le problème qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est pour qu'on réveille, que les gens se réveillent, et que quand tu entends des problèmes qu'il y a chez les goyim, déjà nous, on doit se réveiller. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, heureusement chez les goyim. Ils continuent. C'est quel rapport, les goyim ou pas goyim? C'est aussi les créatures d'Hachem. Tu comprends? Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire. S'il y a quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il doit faire, il faut voir si les parents étaient vaccinés. Oui, c'est ce que Chachamim dit. On ne peut pas les vérifier maintenant. Mais on verra, on verra avant Mashiach. Je sais. Mais dans la même famille, quand il y en a un qui est dans mon chemin, il Ben oui, et ça avec Jacob. Qu'est-ce qu'il va dire, Rivka, la pauvre? Qu'est-ce qu'ils vont dire tout? Après, chacun, il a un choix. Mais Chachamim, il dit comme ça, vérifier si ses parents, ils ont monté à l'idée au final. Tu ne peux pas vérifier. Tu comprends comment tu peux savoir. Nous, on doit attendre. On doit attendre, Bezrat Hashem, à ce que Mashiach il arrive. Tu peux savoir qui est juif Tahor, juif pur, et qui n'est pas juif Tahor, qui est vrai Kohen, qui n'est pas vrai Kohen. Vous savez, aujourd'hui, le monde. Vous croyez que quoi? Tous c'est des juifs purs? Pas du tout. Il y a des gens dans la politique, il y a des gens qui sont dans la Memshala en Eretz Israël, qu'on attend un petit peu, et vous allez voir, quand Mashiach il arrive, il y a beaucoup d'Erev Rav. Erev Rav, c'est mélangé avec le peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui ne sont pas des juifs. Hachem, il ne voulait pas qu'il nous joigne à nous, mais Moshe, il avait Rachmanout. Ils sont collés. Aujourd'hui, leurs idées sont différentes. Ça fait que tu as beaucoup, beaucoup de choses que tu vois et tu dis, mais tout le monde fait ça, donc si tout le monde accepte, tout le monde fait, donc quelque part c'est normal. Pas du tout, c'est pas assez. Si à la tête, quelqu'un à la tête, il fait des choses qui ne sont pas bien, donc on ne sait pas qui il est pour nous, tous c'est des juifs. Mais Chachamim dit qu'avant Mashiach, je ne vais pas être extrême de ce qu'ils disent, mais après vous allez découvrir tout seul. Moi je vous dis juste que c'est Chachamim dit. Que sur les liens des Erev Rav, il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui vont être dévoilées. J'ai une très, très bonne amie à moi qui est très religieuse et qui aurait voulu soit une rabbinite ou soit un Rav qui aurait pris la parole pour dire un petit peu le message, parce que bon, personne ne peut expliquer ni rien, mais elle voulait juste, elle dit j'aurais aimé que quelqu'un prenne la parole pour donner le. Parce qu'elle dit, dans tout ce qui se passe, il y a toujours un message divin que chacun doit prendre. Même si on ne peut jamais interpréter rien, tout ce qui se passe. Mais un message par rapport à la femme, ce qui s'est passé à Jérusalem. Un message de Dieu. Elle voulait que quelqu'un prenne la parole. Et la dame, elle avait le message? Non, vous n'avez pas compris. Elle aurait voulu que quelqu'un prenne la parole, une rabbinite ou un rave. Non, pas interpréter. Un message que Dieu voulait nous envoyer par rapport à... Je vais te dire, parce que ça t'interpelle toi déjà, je vais te dire... Non, pas, c'est aussi par rapport à... Bien sûr, non, mais bon, prochainement, il y a beaucoup de rabbinim et rabbiniotes qui prennent la responsabilité de donner. Moi, je te dis, parce que tu sais là, il faut savoir que Nistarot et Madarke Hashem, les Shoma d'Akadosh Baruch Hu, ils sont très cachés. Nous, Hashem, il nous a dit une chose, Nistarot, Niglot, Lachem ou Livnechem. Tout ce qu'il est niglé, tout ce qu'il est dévoilé, c'est pour vous et vos enfants. Déjà, faites ce que vous pouvez avec ce qu'il est dévoilé. Tout ce qu'il est caché, laissez-moi, c'est pour moi. Un jour, tu vas comprendre. Dans la vie, tu ne peux pas comprendre. Même quand tu ne comprends pas... Donc, il n'y a pas de message. Attends, alors. Si. Tu me laisses parler jusqu'à la fin. Écoute bien, Marie. Même nos messages, même quand tu n'as pas de réponse, c'est une réponse. Même quand Abraham, il dit, Hachem, il dit Abraham, avinu, Beitzchak, il karel le chazera. Tu vois ton fils Itzchak, tu l'as attendu 100 ans, lui, il va être ton descendant. Le lendemain, qu'est-ce qu'il lui dit? Prends-le, tu vas l'égorger. Abraham, avinu, il a dit quelque chose. Il marche, il se lève tôt. Vite, 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 prépare-toi, il va pour égorger son fils. Il n'a pas arrêté dans le chemin, il a dit, attends-toi, Hachem, 2 minutes, je vais égorger mon fils. Mais juste une question, comment il va être? Comment tout le peuple va sortir de moi que je vais l'égorger? Juste, il me répond à ça, je vais faire ce que tu me dis. Même ça, il n'a pas, pas qu'il n'a pas dit, il n'a pas pensé. Parce qu'être Oved Hashem, pour arriver à ce niveau que tu collais Hashem et que tu vois que tout sert
Aïm Matara. Tout sert dans un but. Que maintenant je comprends, je ne comprends pas. C'est aussi une réponse. Nos réponses, c'est aussi une réponse. Quand tu pries, tu dis quoi? J'ai pas de réponse. Toute la journée, je donne la tzedaka, j'ai le problème de parnassa. Je donne des cours à tous les enfants dans le monde, j'ai un problème avec mes enfants. J'ai fait des cours de shlambayit partout, je ne m'entends pas avec mon mari. Et tu continues, les heures, il dit sur ça, et mispar yamecha amale. Tous les jours que tu m'as servi dans l'obscurité, que tu as marché dans un sens interdit, tu as marché sans voir rien du tout, mais tu as marché, tu as marché, tu as marché, parce que tu as cru en moi. L'echtech acharai bamidbar ve'eretz lozrua, Hashem il dit au Bnei Israël, vous m'avez suivi dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Rien. Kulam dashimbo. Vous êtes marché comme ça derrière moi. Chaque jour que tu as servi dans l'obscurité, je vais te le remplir de lumière. Mais attends. Parce que l'attend. Savoir attendre, ça c'est quelque chose qu'on a un problème à la base avec ça. On a un problème de passion. On ne peut pas attendre. C'est vrai. Adam Arishon, le premier homme, Hashem, il vient te créer. Te donne toute Gan Eden, tu ne peux pas attendre 3 heures. 3 heures, il fallait qu'il attende. Il n'a pas pu attendre. Il a fauté. Am Israël, Moshe, il descend dans 6 heures. Il fallait attendre 6 heures. Tu t'imagines? Ils descendent avec les vrais louchot. 6 heures avant, ils ont commencé à se compliquer, à s'échauffer l'année lente. Et tu as vu, nanana, balagan. Et le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que tu as des doutes, qu'est-ce qu'il fait, le Satan? Hein? Les doutes, Amalek, les Safek, ce balagan, Rakil voit que tu commences à avoir un petit doute sur quelque chose. Les gens, ils ont été à point de se marier, à point de faire une associée avec quelqu'un, acheter une maison, fiancer leur fille. Et un petit doute a détruit tout. Donc, c'est quoi les doutes? C'est ça que le Satan, il veut, que tu auras, on aura des doutes sur chaque étape dans la vie. Mais si tu continues à marcher, tu vois des choses, tu ne comprends pas. La femme, elle est religieuse, elle fait Torah, elle fait mitzvot, comme il arrive une catastrophe comme ça. L'autre, il fait X, il fait Z, il fait Y, un problème comme ça. C'est ça la Avodat Hashem. C'est pour ça qu'il faut être fort. Vous savez, quand Yona, il devait, Hashem, il lui a dit, tu vas aller annoncer aux villes de Nineveh que je vais détruire cette ville, n'akhon? Il a essayé de sauver d'Hashem. Vous connaissez l'histoire de Yona avec la baleine. Vous savez qu'on dit qu'il était dans le vent de la baleine. Il est resté zen. Comment on arrive à être zen dans une vente d'une baleine? Hein? C'est qu'il faut savoir que tout on prépare avant la guerre. Pendant la guerre, tu ne peux rien préparer. Emouna, ça s'appelle entraînement. Être, vivre dans une Emouna, même le mot Emouna, dedans, tu as Aleph, Mem, Nun, Emoun. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais si on vient comme aujourd'hui, les femmes, waouh, pour moi, il faut non-stop des cours. Aujourd'hui, il faut se tenir. C'est pas comme il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tu fais Shabbat? Non, je fais pas vraiment Shabbat. Tu dis, bon, essaie de faire une heure Shabbat. Aujourd'hui, mais tu fais pas Shabbat, même si tu fais Shabbat, tu fais des cours, c'est rien assez parce que dans l'air, il y a un aspirateur. Dès que tu es bien, il vient, il aspire ce qu'il peut. Il n'y a pas. L'homme qui est riche, il a peur d'être pauvre. Les pauvres, il a peur d'être encore plus pauvre. Celui-là qui est en bonne santé, il a peur d'être malade. L'autre qui est malade, il a peur de mourir. Shavua tov. Tu m'as compris? Alors il faut coller à Kadosh Baruch Hu. Comment tu arrives à coller à Hashem? Comment tu vas coller à Hashem avec les paroles? Les paroles, ça aide pas pour coller à Hashem. Il y a des gens qui aiment parler. Parler, parler. Ne fais pas parler. Action. Intfila. Mets-toi le tzniout, fais les cours, avance, avance. C'est ça la Avodat Hashem. C'est pas parler. Vous comprenez, les paroles, ça aide pas des paroles. Tu peux dire à ton fils des lois, écoute, reste là-bas, mais comme maman elle t'aime, tu peux pas savoir. Prends-lui dans les bras, fais-le un petit bisou, un petit câlin, quelque chose. Non, 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 ressort cette loi. En 18 ans, il va s'élever, il va dire, il va chercher quelque chose ailleurs. Tu comprends? Hachem, tu veux montrer que tu connais Hachem, tu t'annules. Je n'ai pas envie de faire la bracha. Là, je n'ai pas envie de faire du tout arvit. Je suis fatiguée, mais je me lève, je fais arvit. Je n'ai pas envie du tout s'habiller ou dire ou pas s'énerver ou pas élever Khadvarim. Je m'annule ma volonté face à la volonté d'Hachem. Toi, tu annules aujourd'hui, après il annule pour toi. Ouh là là, ce qu'il annule pour nous.
Tu vois, quand tu vois Kimchit, qu'elle a 7 Kohanim Gdolim, tu crois qu'elle a fait comme ça, elle a eu 7 garçons? Tous Kohanim Gdolim. Comment? D'où ils sortent ces enfants? De la maman. Pas des pères. Parce qu'ils n'ont pas parti voir son mari. Et les Chachamim, ils n'ont pas dit à son mari, dis-moi, t'es le mari de Madame Kimchit, n'est-ce pas? Comment tu es? Ils n'ont pas, même pas, ils l'ont parlé. Ils ont parti voir Madame Kimchit. Ils ont dit, toi, tu nous dis, qu'est-ce que tu as fait que tu as eu 7 Kohanim Gdolim? On a demandé à la femme, parce que la femme, à propos du rôle de la femme, c'est elle le moteur de, moi je ne vais pas exagérer, mais le moteur de l'humanité. Mais les femmes, ils ne s'imaginent pas ça. Parce que comme elle est fragile physiquement, elle est toute petite, des fois elle est aussi grande, mais en général, une femme, elle est fragile. Elle a peur de tout, c'est normal. Car Hachem, il a créé qu'elle se trompe l'homme. Mais à l'intérieur, elle est forte. Vous ne pouvez pas s'imaginer, elle est forte. Sinon, Hachem, jamais il a donné qu'elle, elle va avoir les bébés 9 mois dans le ventre. Les deux. Vous imaginez ce qu'elle fait une femme? Si tu te filmes, tu dis, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Dans le travail, à la maison, les enfants, et ça, comme on dit, il y a des femmes qui, comme ils ne sont pas sûrs d'eux, ils n'utilisent pas le maximum force qu'ils ont. Mais si elle apprend conscience de quoi elle est capable de coller Hachem et de prendre ses enfants, de coller Hachem et de son mari aussi, coller Hachem, son mari et ses enfants et tous ceux qu'ils ont autour d'elle. Si elle sait comment le faire avec la diplomatie et les bonnes paroles, Bezrat Hachem. Nathalie, mamie, tu voulais. Non, je sais que tu dis qu'il faut être préparé avant les épreuves, mais les hommes qui étaient très religieux, qui étaient pendant la Shoah, ils ont vu la main d'Hachem pendant la Shoah, et pourtant ils ont souffert autant que les autres, mais eux étaient préparés à voir ça, donc ils ont traversé. Ça veut dire qu'ils ont été préparés à voir ça. Ceux qui étaient déjà dans la Torah avant de rentrer dans les camps, et ceux qui n'étaient pas dans la Torah, quand ils sont entrés dans les camps, ils étaient tous traités pareil. Mais ceux qui étaient dans la Torah ont mieux traversé l'épreuve parce qu'il fallait être préparé avant l'épreuve. Ils ont mieux compris. Non, ce qu'il dit, Chachamim, que l'homme, il ne peut pas essayer de, théoriquement, se préparer aux choses. Ça veut dire qu'au moment, c'est quoi la guerre? Au moment que l'épreuve, elle est en face de toi. Tu as une colère très forte. Tu étais vendredi soir, tu as préparé la maison, les bougies, alcool, top, magnifique. Ta belle-mère, elle rentre. C'est quoi cette nappe? Ah, c'est quoi ça? Et tu sens que, pitom, ça remonte la fatigue, les choses. Et est-ce que maintenant, tu as un choix? C'est une épreuve, bon, chacun avec les relations qu'il a, est-ce qu'elle répond ou elle ne répond pas? Ou le mari te pique le matin, ou les enfants, ou la maîtresse de ton fils, ou dans le travail, ou un homme, une autre sensibilité. Dans le moment de l'épreuve, comment l'homme il réagit? Maintenant, pour réagir bien à ce moment-là, tu dois faire un travail bien, bien avant, pas dans l'endroit où l'épreuve se passe. Pour ça, Chachamim, il dit, « En Adam Choté, Elam Ken Echnesa Boruach Shtut. » Un homme faute pas à moi qu'il rentrait une vente de folie. Mais c'est quoi cette vente de folie? Quoi? Quelqu'un qui s'énerve, c'est une vente de folie? Non, qui s'est mis dans l'endroit où il peut tomber. Si tu es assis là, et le vent, il vient, et te pousse. Mais si tu t'assois là, tu es sûr que tu vas tomber. Donc si tu te mets au bord des situations qu'il peut te faire, comment on dit, tomber, donc il n'y a pas, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, tu t'es mis dans cette situation. Mais il y a des épreuves que toi, tu n'as pas à chercher. Akadosh Baruch Hu, quand lui, il amène une épreuve à la personne, il lui donne le kochot de la surmonter. Mais quand l'homme, il amène des épreuves sur lui, c'est lui qui l'a amené sur lui. Ce n'est pas Hachem qui lui a donné. Donc, il doit avoir lui-même des kochot pour surmonter ce que lui, il a amené sur lui. Tu comprends? Maintenant, et les gens, ce que tu as dit, c'est des sujets que je n'ose même pas ni parler ni réfléchir. Moi, il y a des grands qui ont parlé sur ce sujet. Baruch Hashem, je ne peux rien dire de ce que je n'ai pas attendu des Metzadikim. Mais si on prend juste l'idée des épreuves, c'est ce que Chachamim nous dit. Tu te prépares avant, au moment que tu as comment on dit, combat que tu as avec soi-même, tu sais quoi répondre. C'est pour ça, quand les flèches arrivent,
de mauvais, toi sors quelque chose que tout de suite tu l'as anéanti. C'est pour ça que Chachamim, ils disent, c'est quoi le roi, Amami? C'est quoi le roi? Le roi, c'est quelqu'un qui il a fait tout ce système de logique qu'elle gère les sentiments. D'accord? C'est pas à l'envers. C'est pas que le cœur, il gère les cerveaux. Est-ce que vous comprenez? Comme tu dis, c'est vrai que souvent dans les épreuves, c'est là où on sort le meilleur de nous-mêmes, sans faire exprès. C'est pas moi qui te dis, moi, rien non, qui sort de moi, mamie. Moi, je te dis ce que les Chachamim me disent. Oui, toujours, toujours. C'est là où on sort le meilleur de nous-mêmes. Toujours. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, c'est quelque chose qui est, c'est beaucoup de travail, de, comme on dit, de, c'est un travail dans les pensées, dans l'imagination, mais il y a beaucoup de gens qui disent, j'arrive pas à arrêter de fumer. J'arrive pas à arrêter de manger ou arrêter de faire X, Y, Z. Chachamim, il dit, si tu comprends, que si tu te dis, j'ai pas le choix, simplement tu dis, j'ai pas le choix, j'ai obligé de faire la chose. C'est dur de s'imaginer ça. Mais si tu te dis, j'ai pas le choix, d'accord, vous allez voir que t'as pas le choix, tu fais la chose. Maintenant, c'est un exercice. Mais quand est-ce que commence le problème? Quand on a le choix. Si tu commences un régime et tu dis si je craque, je prends un petit peu de gâteau, c'est fini. C'est même pas à peine de commencer. Si tu fumes, si tu arrêtes de fumer et tu dis si je craque, je prends une petite, c'est sûr que tu ne vas pas réussir. Donc chaque chose, si tu te dis je n'ai pas le choix, je prends une chemin et je veux réussir dans ce chemin. Mais c'est. C'est un travail, c'est pas... Vous savez, tout c'est un travail. Tout c'est un travail. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure qu'on doit remercier Hachem chaque jour qu'on a la Torah. Parce que tu peux pas savoir quel équilibre ça donne un grand équilibre à l'homme. Et comme l'homme, dès le début, il en manque, la Torah elle est remplie au fur et à mesure. Il arrive à une shlemout. Il peut arriver un shlemout à travers de la Torah. Donc quand tu arrêtes sur des choses qui sont importantes, mais c'est quelque part, on va dire, par rapport à la grandeur de la Torah, c'est comme si tu dis ces petits accessoires, c'est là qu'on diminue sa valeur. Mais la Torah, c'est au-delà de beaucoup de choses que les gens, ils mettent beaucoup d'attention là-dessus. Ça veut dire que toutes les mitzvot, entre nous et notre prochain, entre nous et Hachem, et toutes les mitzvot, c'est simplement quelque chose qui va t'amener à découvrir HaKadosh Baruch Hu. Donc si tu ne fais pas les mitzvot, tu ne peux pas approcher Hachem. Les gens ils croient que tout est dans le cœur. Vous connaissez c'est les gens qui disent « Akol Balev, Akol Balev ». C'est impossible. Parce que si tu veux montrer à Hachem que tu es proche de lui ou tu veux t'approcher, il faut que tu sors de ton cœur et tu commences à faire les actions. Maintenant, le rôle de la femme. Tu sais, j'ai parlé d'Afka un petit peu sur ça vendredi, que d'Afka, pour que l'homme réussisse à faire toutes les mitzvot, il a besoin de sa femme, même les enfants. Donc, c'est marqué dans la paracha, « Quand on marre le Bet Yaakov, et t'agit le Bnei Israël », ça veut dire, Chachamim, il dit, comment c'est possible qu'on a devancé la femme avant l'homme, que normalement, on sait très bien que c'est toujours les hommes quand ils sont plus mechouyavim dans les Torah, donc l'homme, Chachamim me donne un exemple, que si Khalila, il y a une femme et un homme qui sont en train de se noyer, on ne peut sauver qu'une personne, on va sauver l'homme. C'est pas une... Non, parce que l'homme, il est mechouyav yoter ben mitzvot. Et après, si tu as un Israël et Kohen, tu sauves le Kohen. Celui-là qui est le plus mechouyav dans les mitzvot, donc on sait que l'homme il est beaucoup plus de chiyuv dans les mitzvot. Mais Chachamim il dit, pourquoi la Torah, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, dis au Bnei Israël d'abord les femmes, après les hommes. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, pour que l'homme arrive à réaliser toutes les mitzvot, il faut quelqu'un qui derrière il les pousse. Est-ce que vous comprenez? Donc le rôle de la femme, il est très très important.
Mais le problème, c'est que des fois, on ne sait pas c'est quoi notre rôle. On ne connaît pas notre vraie valeur. Les femmes s'arrêtent sur des choses. Ah, pourquoi alors, pourquoi c'est marqué chez Los Anisha? Sur tout ça, c'est tout. Rien que ça qui t'intéresse. Ah, on doit être méprisé. Pour ça, il nous a dit que ce n'est pas sur ça qu'il faut arrêter. La femme, c'est un monde. Regardez, qui l'enfante les enfants? Qui c'est qu'il part non-stop avec les enfants? Et pour ça, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné une force dans la parole. Tesha kabin shel dibur yardou laolam. 9, 10 kabine de façon de parler, ils ont descendu dans le monde. 9, on a pris nous les femmes. C'est stam, c'est que la femme, quoi, avec sa parole, elle peut, son mari, les enfants, elle pousse à aller, à étudier, à faire, après tout ce qu'eux, ils étudient, d'accord, elle prend la moitié de Sakhar. Tu t'imagines, toi, tu restes chez toi, tu fais un peu de chalot et des choses, et lui, il étudie toute la journée, à la fin de la journée, tout ce qu'il a étudié, toi, tu as la moitié. Mais pour que toi, tu arrives à lui donner cette force, aujourd'hui, les filles qui ont vu aujourd'hui, une femme a besoin d'étudier. C'est impossible. Aujourd'hui, moi, je vois des filles qui couvrent la tête, qui s'habillent snout, je dis, de où tu prends les forces? Parce que je sais qu'il ne faut aucune étude, aucune cours, rien. Je dis, tu continues comme ça, tu vas balancer le foulard et la perruque par la fenêtre. Des nerfs. Même les tsnout, ce n'est pas possible. On a besoin non-stop, 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 des cochotes, même de faire un sourire à ton mari, tu as besoin de force. Ce n'est pas normal aujourd'hui de faire un sourire et d'être gentil et de parler. Tu as besoin de quelque chose qui te donne des forces non-stop. Pourquoi tu ne vas pas t'énerver? Pourquoi tu vas parler dans une manière comme ça? Et comment tu vas t'habiller? Tu as besoin non-stop de réseaux que tu sais ce que tu fais, c'est bien. Et kol hakavod, et que tu es dans le bon chemin, et Akadosh Baruch Hu, il est content de toi. Et pendant que tu fais ce que tu fais, comme Tzniout ou Torah, ou Chizouk à ton mari, tu es en train de réparer des mondes que tu ne sais même pas qu'il existe. Parce que toute notre vie, on fait des tikkunim, on fait des réparations, que ce soit dans les manger, avec notre parole, avec nos yeux, avec notre action, les choses qu'on voit, comme les choses que tu ne vois pas quand tu manges. Tu ne sais pas que tu fais une tikkun, peut-être une neshama dans cette tomate. Tu ne sais pas. Tu fais une bracha, tu as réparé peut-être une neshama, peut-être non, mais c'est possible que oui. Il y a ça, tu vois les manger, mais il y a des mondes qu'on ne sait pas. Donc pour ça, on a besoin de beaucoup de force. Vous savez, Rav Stipler, il a écrit plusieurs choses pour la femme. D'ailleurs, je vais l'imprimer pour le 26 Bezrat Hashem. Il l'a écrit le 26 mars, on fait une journée pour la femme à Khayamushka. D'ailleurs, on va faire la pub. C'est une super journée avec des cours de Torah, des chizouk, journées, oui, on va faire Seudat Amenim, Afrashat Chala, une grande journée de plaisir, Bezrat Hashem, c'est gratuit pour nous, toutes les femmes. Donc, 26 mars, Bezrat Hashem. Non, non, 26 mars. Donc, c'est à Kadosh Baruch Hu qui paye, al tidagi. Bekitsu, il a dit, le Stipler, une femme, qu'elle fait les Birkat Amazon, tu écoutes qu'elle fait Birkat Amazon à haute voix, elle protège ses enfants des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Aujourd'hui, les gens, ils courent à droite à gauche pour ces goulala et ces goulala. Et même les brachot, même quand tu fais les brachot, tout, c'est toute une liste de choses que ça te fait la chair de poule. Tu dis quoi? On fait tout à côté de chez moi. Tout est à côté de moi. Et moi, je vais jusqu'à Amsterdam pour chercher une chose. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que tout est dans les mitzvot, dans ce qu'Hachem t'a demandé. Tu te lèves le matin, fais netilat, lama. Va étudier, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est quand tu fais netilat le matin. Quand tu fais tes brachot, quand tu fais une amida par jour, 2 amidot par jour, 3 amidot par jour. Il a dit que les enfants d'une maman qui fait les 3 tefilot ne sont pas les mêmes d'une femme qui ne fait pas la tefila. Donc quand les femmes te disent, ah, pourquoi ça et ça, tu fais la tefila, non, tu peux faire, non, j'arrive pas, j'ai pas la force. Oui, mais faire les ongles 3 heures, s'asseoir comme ça, tu peux, ou aller faire des brushing, ou je sais pas quoi. Les femmes, il faut être honnête avec nous, parce que quand tu peux pas, Akadosh Baruch Hu, jamais il va te dire pourquoi tu n'as pas fait. Mais si tu peux le faire, c'est à toi de savoir, est-ce que tu crois qu'une femme, qu'elle a un bébé ou 2 bébés,
elles doivent aller à l'école. Elle va dire, attends, attends, je fais la Amida. Hachem, il ne veut pas ça. Bien sûr, tu t'équipes de tes enfants, tu t'équipes tout. Si tu as un petit maman, tu fais. Ah, tu n'as pas cette maman, donc tu n'es pas mechouyavet. Est-ce que vous comprenez? Il faut que chaque... Nous, on doit savoir ce que nous, on peut faire. Mais quand quelqu'un dit, il ne peut pas faire X, parce que c'est un rapport avec la Torah, mais il peut faire autre chose, quand... c'est ça être émette. Vous savez ce que c'est être émette? C'est que tu te poses la question à toi-même. Personne ne te la pose. Toi, tu la poses à toi-même et tu te dis, est-ce que je suis vrai ou faux? Toi, tu dois, on doit nous se poser la question à nous-mêmes. Tu comprends? Mais c'est là qu'on voit. Parce qu'on ne peut pas vouloir les choses sans faire aucun effort. C'est-tu entre les trois amitiés la plus importante? Regarde, mamie, il n'y a pas les plus importants. Chacune. Non, Shabbat, mincha de Shabbat, c'est très important. C'est mincha de Shabbat. Tu peux... C'est une mincha de Shabbat, c'est Kodesh à Kodashim. C'est pour toute la semaine, c'est Olam. C'est mamash, mamash. Toute la semaine, elle nourrit des mincha de Shabbat. Ça, c'est Alpi Mekoubalim, ce qu'il dit maintenant. Dans la journée, Arvit, c'est Achikal. J'ai accouché il y a un mois et deux mois, est-ce que j'arrive plus à faire le soir? C'est pas grave. Tu fais quand tu pourras, Bezrat Hashem. En attendant les journées passent et je fais quoi? Mincha, elle est courte là. Je me disais que c'était le seul truc que je faisais. Non, elle n'a pas cherché c'est quoi les plus courts, elle a dit c'est quoi les plus importants. Ah, Mazal Tov. Mazal Tov, Mazal Tov. Non, mais ça va. Non, mais est-ce que ta question c'est quoi les. Tu ne m'as pas dit c'est quoi les plus courts, tu m'as dit c'est quoi les plus importants. Important. Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise quelque chose? Tu sais ce que c'est le plus important? Est-ce qu'il est le plus important pour toi? C'est le plus important pour Hachem. Si pour toi, c'est tellement été dur et tu arrives à faire une tefila. Mais je m'occupalise aussi. Hein. C'est pas toi qui. C'est ta neshama qui est. J'arrive pas à dire cette mot, culpabilise. Ah ouais, j'arrive. Ah, mais vraiment. Je me dis, tu vois, les Teilim, j'adore les Teilim. Mais chaque fois que les films disent. Une fois, une fille a dit donne-moi quelque chose à faire. Et je ne l'ai pas dit quoi faire, elle m'a dit je fais les télims, encore télims, c'est bien les télims, mais fais un peu plus, rajoute sur nous un peu, vous savez, quand on fait quelque chose qui est dur pour nous, mais tu sais qu'il est dur, je n'ai pas dit qu'il est dur. Non, mais après il y a le fait de se concentrer aussi. Attends, non, je vais te dire. C'est vrai, mais dans la tête. Chachamim, ils disent, c'est quoi le avoda chez Ibalev? C'est quoi le travail qu'elle est dans le cœur? C'est la tfila. C'est les choses qu'il est berumo chez l'olam. Tu sais ce que c'est? C'est le summum de tout. Et les gens, ils méprisent la tfila. Tu comprends ce que c'est la tfila? Dans le mot tfila, tu as l'intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc toi, tu viens que déjà toi-même, tu es composé de deux opposés. Neshama veguf. Quand tu arrives à se combattre ce côté des matériels de ton corps et tu t'es mis travers, tu te connectes avec le côté spirituel. Donc déjà tu as un niveau de plus et après tu fais la tefila que tu connectes à Hachem au monde spirituel. Donc maintenant, l'Etzara, qu'est-ce qu'il va te dire? Bien sûr, tu peux faire, il n'y a pas. Commence à rentrer, mettre quelque chose en place. Tu sais, arriver à une tefila par jour, ça prend du temps. Mais les hâtes, tu arrives à fixer Gamarno, maintenant personne ne va te bouger. Après, tu vas commencer à focaliser sur la Kavana. Et pour faire la Kavana, tu te dis, je me focalise sur les trois premières lignes, quatre premières lignes, jusqu'à ça, et les hâtes, c'est une avoda. Mais sache une chose, que tout est dans la tefila. Même des fois, Hachem, il veut te donner quelque chose. Les choses, il est prêt pour toi, il t'attend. Il attend quoi? Il attend que j'ouvre la bouteille et je verse. C'est quoi? Qui c'est qui ouvre la bouteille? C'est moi, avec ma tefila. Je ouvre et la tefila, elle... maintenant il y a le keli. Le keli, il est là. Le keli, il est là. On va tous ouvrir des bouteilles. Tu comprends? C'est ça les tefila, mais les gens, ils ne se donnent pas important. Tu comprends maintenant? Teilim aussi, c'est une tefila. Si tu fais une teilim avec une kavana gdola et tu comprends ce que tu lis, bien sûr, les teilim, c'est une grande chose. Mais toujours ce qu'il est dur, sache une chose, quand c'est dur,
Ouais. Ça cache quelque chose à l'intérieur. Mais la prière du Shabbat, le matin. Hein? Le matin, la prière du Shabbat. Oui, on fait toujours ce qui nous arrange. Non, je demande. Il y a, par exemple, tout faire. C'est long quand même, le Shabbat, apparemment. Est-ce qu'il faut tout faire ou même si on fait des petits... Fais déjà ce que tu peux. Voilà, c'est tu sais, en akadosh baruch hu ba betronia embryotav. Tu comprends, à la base, 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 dis-toi bien qu'une femme, elle n'est pas des obligations comme l'homme. À se lever tôt, aller à la choule, retourner, tefiline et tout ça. Donc ce que tu fais, c'est bonus. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, Rav Kanievski, il a dit qu'une femme fait même trois tefilotes. Hein. Ah bon? Il a sorti une lettre partout, trois tefilotes. La génération, elle est tellement faible. Qu'il a dit qu'une femme doit faire trois tefilotes. C'est pas une halakha maintenant. C'est pas que ah, tu le fais pas. Mais si une femme, elle peut faire, maintenant, c'est chacun. Tu peux pas dire à une fille qu'elle vient d'accoucher, qu'elle a un bébé de 3 ans, et un autre bébé qu'elle a accouché, et nanana, et balagan, ah, t'as pas fait trois tefilotes. Mais qui sait? Qui c'est qu'il va lui dire, va lui juger comme ça? Elle sollicite pendant qu'elle prie, souvent c'est le cas en plus, comme par hasard. Exact. Et la prière avant de dormir, c'est plus important? Tout est important. Tu peux faire une petite schéma katsar ou avec les livres, mais tout est... Regardez, je vais vous dire une chose comme ça va être clair. Il n'y a pas d'important ou pas important. Il faut que tu saches une chose. Le corps, comment il est... Chut, les filles, ça parle... on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de comment? Non, je dis, on parlait sur la fille, c'est dur de s'imposer. Non, il ne faut pas que ça te stresse. En plein d'une journée, c'est dire, allez, je reste 10 minutes à faire ma fille. En plus, 10 minutes. Mais ça, c'est les tzara ou sinon? Mais oui, c'est les tzara, parce que bien sûr. Fais 15 000 choses à côté. Justement, il ne faut pas faire 15 000 choses à côté. Il y a des gens qui mangent, ils regardent l'ordinateur, ils parlent au téléphone, ils donnent à manger aux enfants, c'est erreur. Après, tu demandes pourquoi tu es stressé. Il faut prendre le temps, chaque chose. Et crois-moi, maintenant que tu fais une machine à laver, une autre machine, je ne parle pas de ça. Il ne faut pas être non plus 20 à l'heure. Mais pas des choses qui te sortent de ton équilibre. Tu comprends? Alors après, c'est toi-même qui te mets des pressions sur toi jusqu'à ce que tu exploses. Donc il faut voir qu'est-ce que tu attends de ta journée, comment tu les prépares, et dans cette journée tu rentres un programme de intfila. Après que tu arrives à la gérer bien, tu passes une autre étape. Le plus important, c'est toujours être dans le mouvement, pas faire 1000 choses et après faire rien. Chaque jour j'ai pris quelque chose sur moi. J'avance, je l'ai bien, fixé, et je me sens à l'aise avec ce que j'ai fixé, je passe à autre chose. Mais si on fait une fois, on passe à autre chose, on fait plein de choses, c'est ta fasta merubelo, ta fasta. Tu crois que tu as attrapé beaucoup de choses, mais en fait, tu n'as rien attrapé. Tu comprends? Ce que je voulais te dire, tu vois le corps. Pierre qui roule, il ne reste pas plus. Le corps, il a besoin de toutes les vitamines, et les minérales, etc. Donc, si tu regardes toutes les mitzvot, tout ce qu'Hachem nous a demandé de faire, c'est des vitamines et minérales, tout ce que tu as besoin pour que ton corps soit bien jusqu'à 120 ans, Bezrat Hachem. Alors, quand quelqu'un te dit, tu connais toutes les vitamines qu'il y a dans les tomates, mais que tu as besoin de ça. Non, il n'y a pas, tu es dans le désert. Tu vas dire à quelqu'un, je mange les tomates, mais je l'avale, il y a une vitamine, non? Oui ou non? Oui, oui. Répondre. Oui, oui, pardon. Alors c'est tout. Quand tu me dis il faut faire schéma, c'est des vitamines qui viennent à travers. Non, c'est des vitamines que tu la trouves que dans les schémas. Ou tu comprends? C'est pour ça, chaque chose, c'est que nous, on doit les prendre. Tu sais que dans la tefila, on peut arriver. D'abord, avec la tefila, on arrive à des niveaux très, très élevés. Et dans la tefila, tu as Shema Kolenu. Tu connais, vous connaissez les Shema Kolenu. Que tu peux faire une. Demander une tefila dans ta parole à toi. Donc quand tu dis je ne fais pas la tefila, donc tu as une occasion de demander des choses, c'est comme si jusqu'à aujourd'hui tu envoies des lettres à par exemple à Rabbi Milubavitch. Et Zichrono Livracha, Nagid Shua, il est là aujourd'hui, pitom tu te trouves face à lui. Tu t'imagines la différence? Pitom tu es face à lui, que jusqu'à aujourd'hui tu as envoyé des lettres.
Donc quand tu fais la tefila de Shmona Esre, que les Chachamim ils l'ont écrit, automatiquement quand tu es dans la tefila, Kavana, Abba, Kavana, tu es déjà élevé au niveau que tu es déjà, on va dire, devant le roi. Et quand tu fais le Shmona Esre, Shma Kolenu, c'est ton langage à toi que tu as besoin pour tes enfants, pour ton mari, pour toi personnellement, que c'est pas dans la tefila. Mais toi, tu n'arrives pas à faire une prière comme ça toute seule. Dans ce côté de tefila, tu peux tout faire. Ça, c'est que des vitamines et des choses, des oxygènes que nous, on a besoin. C'est ça, la tefila. Donc après, si tu dis, je peux ou je peux ne pas le faire, ou tu as des bonnes excuses de ne pas la faire, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont beaucoup d'excuses de ne pas aller à la choule, de ne pas faire le Torah et les mitzvot. C'est des bonnes excuses. Mais à la fin, ils n'ont pas le niveau. Exactement. Tu comprends? Ouais. C'est quand quelqu'un te dit, ah, je voulais venir au cours, un robinet, il est ouvert. Tu viens, tu remplis le verre. Tu n'es pas venu, il est rempli. Il est ouvert pour toi ou pour Paul ou Pierre. Qui c'est qu'il y aura? C'est à toi de profiter et de prendre. Hachem, chaque jour, il amène dans le monde une chefa. Une chefa, chaque jour, il arrive. Une abondance que Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde. Comme un soleil partout. Abondance. C'est, maintenant, tu fermes les trices. Tu crois que c'est chez toi, il n'y a pas de soleil, mais dehors, il y a. Mais toi, tu as limité avec tes fenêtres. Donc, nous, on peut recevoir toute cette lumière, toute cette abondance qu'Hachem, il ramène. Mais on doit se préparer pour le recevoir. Une des choses pour la préparer, c'est à travers des tefillah. Demain, tous. C'est à la haine. C'est à la haine. Ah, voilà, merci beaucoup. Merci. Intéressant, ma maman. Grave. Oui, oui, oui. En tout cas. Ah, pardon. Pardon. Merci. À haine. Mamie, tu vas être. Tiens, mais dans notre Geffen, on a fait. T'as vu les rats de les. Tiens, mamie. Ah, c'est bon? Ah, et. Nous on a fait un jeudi par ça fait maison autre et bien fait. Alors ça va être on fait être les filles. Ah, elle a pas fait mamie, vas-y Hamouda. Amen. Non, parce qu'elle n'a pas fait. À droite. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Haetz. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu Haolam Borei Peri Haetz. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Haetz. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Haetz. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Haetz. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Haetz. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Peri Haetz. Amen. La semaine dernière aussi, on était à une soudat à Mimi, à Aleph. Amen. Avec le même truc. Grâce à Dieu. Hein? Avec Yael aussi, et Redva. Vous avez tout fait là-bas? Okay. C'est pas grave. Alors, n'importe quoi on fait. Yael, question? T'as pas fait Aetz? Vas-y, fais. Non, d'abord Geffen. Fais Geffen. Comme ça, on dit Amen. 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 Non, c'est bon. Non, merci, maman.
כן. אמן. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? J'en ai appris beaucoup. Yala, as vas-y, je t'écoute. Bon, maman, ah, les filles. Allez. Adama ou Shakol? Adama. Non, Shakol, c'est à la fin. Adama, pensez à Refouach Lema, à toutes les malades. Pas une question, mais un conseil. Au Hachem, on est zen, on planifie tout, on a fait beaucoup de travail sur nous-mêmes, les épreuves, grâce à Dieu, on gère bien. Et un coup comme ça, tu comprends pas tout, va bien à la maison, tu fais là, là, là. Dring, ça sonne. Lucien ? Ouais. Tac, la chose, elle t'explose au visage. Et tu perds le contrôle. Voilà, moi, ça m'est arrivé. Première fois depuis très, 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 très longtemps, voilà, je vous le dis. Et c'est marrant parce que dans la même semaine, il y a des amis qui ont eu la même situation que moi. Une bêtise, tu règles un problème très grand dimanche matin, les enfants ils courent, tu as fait la tefila, il y a une personne qui a eu un grand problème, Baruch HaShem, tu as donné du chizouk, les portes, la solution. Le voisin d'en dessous, il vient, il te sonne, il te dit, madame, votre voiture elle me dérange, hein. Je ne peux plus vous supporter. Et là, toi, tu as tellement mis la force dans quelque chose de grave, que le voisin goy, que tu ne fais pas attention, qui vient te... faire un grand stress comme ça pour rien, t'as envie de dire, mais c'est pas très grave, monsieur, c'est une voiture. Il y a quelqu'un, il a fait les mots 2 secondes avant. Et tu contrôles pas. Moi, je me suis énervée. Première fois, voilà, je te dis. Alors, je me suis énervée, je l'expliquais gentiment, il a pas compris. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je me suis étonnée moi-même. J'ai écouté, j'ai pas le temps à perdre, j'ai claqué la porte. Vraiment, j'étais étonnée de moi. Ma vache, mais t'as, j'étais étonnée parce que Khazakhaï, là, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Toi, tu claques la porte sur le coup, ok, tu es fort, tu l'as remis en place. Pas du tout. C'est une faiblesse. Bien sûr, faiblesse. Bien sûr, faiblesse. Le problème, il est resté toute la semaine, tu me crois? Plus tu peux aller les voir, pourquoi tu souffres? J'ai été revoir, bien sûr, je dis, mais c'est là, excusez-moi. Voilà, quoi la cavode? Quoi la cavode? Ça arrive. Vous savez, Rabbi Nachman, il dit sur ça, il a dit, Sheva et Paul Tzadik Vekam. Un tzaddik, un homme qui travaille sur lui, il peut tomber, c'est normal qu'il tombe. Mais la différence, qu'il se lève. Les rechaïm, premier coup, il tombe, il ne se lève pas. D'accord. Tu comprends la différence? Ouais. Ça veut dire que toute notre vie, tout notre développement, c'est à travers des nefilas, à travers des tombées. Comment tu vas apprécier la lumière si tu n'étais pas dans l'obscurité? C'est vrai. Tu comprends? C'est la honte, mais c'est pas la honte, ça veut dire. Caparata bonhomme. Comment j'ai pu tomber? Tu t'es dit. Pourquoi ouais. Tu mets pour bête, travail. Bien sûr, tu reviens. Et tu vois, et alors tu te dis, je n'ai peut-être pas assez travaillé, peut-être que je suis fatiguée, peut-être que je n'ai pas mal préparé. Tu vois? Non, c'est que des fois. Non, des fois, dans nos têtes, on a, comme on dit, on a fait des étapes, des choses. Qu'on a décidé que ça c'est plus important que ça, et ça c'est plus moins important, et c'est pour ça, Chachamim ils ont dit, le Baal Shem Tov il dit, Mashemikve chol asot, le fait que tu te, un homme il trompe au mikve, il peut ramener à une personne à un niveau, que même une grande mitzvah il ne peut pas l'amener. Maintenant le mikve où c'est marqué qu'il faut faire le mikve? C'est pas marqué meforash. Tu comprends, il y a des mitzvot, il y a des choses qui te purifient à un tel point que le fait que tu les fais dans le quotidien, tu transformes complètement. C'est à Kadosh Baruch Hu, quand il a dit, il n'a pas dit que au Kohanim tu gdoshim, ou que les Lévim ils ont dit tu gdoshim. Tout Am Israël a dit tu gdoshim, qui Kadosh Ani. Moi j'ai soufflé en vous une partie de moi. Donc, sois Kadosh parce que ton Père il est Kadosh. Tu sais ce que c'est la Gdusha? La Gdusha, littéralement, c'est être séparé. Comment on sépare? Chaque jour, les hâtes, les hâtes. Ah, ici, ils font de la shonara, je sépare de 7 groupes. Ah, ils font, ils volent, je sépare de 7 groupes. Chut, après. Ici,
ils font X, ils font Y, je me sépare. C'est sûr qu'il y a un moment que tu te sens un peu isolé, un peu tristouné. Parce que faire de la chanora, c'est un plaisir. Arrondir les points, ça fait un plaisir. Travail pas cacheur, ça amène beaucoup d'argent. Donc, tu as les tzara, il sait payer cash, tu comprends? Donc, la kdusha, il ne paye pas tout de suite. Donc, au moment que tu sens les retours, tu es un tout petit peu isolé. Si tu arrives à tenir dans cette période isolée, tu passes à une étape que tu ne peux pas comprendre après. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça, ça demande les hâtes. Quoi, tu ne peux pas répondre à cet voisin ou à cette personne? La colère, gérer la colère, c'est... C'est pas que j'ai pas à dire, c'est parce que ça vient d'un endroit très très fort que j'ai quoi dire. On peut repasser la personne avec notre parole, mais on ne fait pas ça parce que ça vient d'une force, pas d'une faiblesse. Maintenant, si tu ne réponds pas à d'une faiblesse, on ne parle pas ici d'avoda. Je parle que tu as quoi dire et tu peux et tu arrives à gérer que tu te calmes et tu attrapes la personne et tu lui parles qu'il y a une chose qui me dérange. Que c'est difficile de continuer comme ça, mais t'es vraiment zen et t'es à l'intérieur de toi, t'es calme. Pas les gens, à l'extérieur, ils se montrent qu'ils sont calmes, ils se bouent à l'intérieur. Ça, c'est pas. Ouais. Parle pas de ça, c'est un travail. C'est pour ça, chaque fois que tu arrives à dépasser une autre étape, là, une colère. Avant, tu étais très jalouse et là, tu gères ta jalousie, tu gères ton rancune, tu gères tes envies. Tu sais comment. La personne, c'est comme si tu fais des, comme on dit, tu transformes une morceau de, comme on dit, de chémar, comme on dit... quand tu exploites, tu fais des formes. L'argile, tu joues avec, tu fais des formes. Donc au début, c'est un morceau comme ça. Et les hâtes, tu formes une forme. C'est notre forme à nous qu'on est en train de former. Parce que l'homme, c'est une bombe à exploser. L'homme, tu te laisses comme ça, c'est le plus féroce qu'il peut avoir. Il est très long. S'il ne travaille pas sur les midotes, il peut être très, très dur. Encore un lion, il est sauvage, il est féroce parce qu'il a faim. Mais une fois qu'il a faim, il est avec son chef, il est calme. Mais un homme, il peut être très mauvais. À cause de jalousie ou de colère ou de rancune ou d'orgueil, ils peuvent même faire des choses terribles. Hachem, il a dit, Am Israël, il a donné la Kedusha, la Torah, parce que la Torah, elle est calme, comme on dit, Matisha Kocham, elle apaise. S'il n'y avait pas la Torah, Azim Shebaumot, Am Israël, c'est le plus azout, comme on dit. De toutes les nations, les juifs, c'est le plus as de toutes les nations. S'il n'avait pas la Torah, il aurait avalé le monde entier. C'est des choses... Pourtant, il y a quand même des gens, on voit quand même qu'il y a des gens, ils ne sont pas dans la Torah du tout. Ils ont des bons caractères. Ils sont équilibrés, mais pas du tout dans la Torah. Qu'est-ce que tu sais? Oui, non, mais ça veut dire qu'on ne sait pas, ok. Et d'un autre côté, ça existe quand même. Bien sûr. C'est que s'ils ont une bonne valeur, mais imagine-toi s'ils travaillent, mais tu vois, ça s'appelle Betardemet. C'est des gens que, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, ils ne volent jamais. Tu dis, c'est tzadik, ils ne volent pas. Hein. Mais lui a compté l'argent et tu verras s'ils ne volent pas. Ça veut dire qu'un homme, il peut se tenir qu'il est tzadik parce qu'il n'a pas de quoi être non tzadik. Mais si Kadosh Baruch Hu lui met chas v'chela à l'épreuve, tout ce qu'il était endormi, il peut se réveiller en lui. Chachamim, il part de ça. Donc comment tu peux dire que tu as dépassé ce niveau que tu dis, je ne suis pas chakran, je ne suis pas voleur, je ne suis pas X, Y, Z, après que tu avais l'occasion des deux et tu n'as pas fait. Mais si tu n'as pas de quoi voler, tu dis, moi je suis tzadik, je ne vole pas, demain on va te mettre dans une situation que si tu as un yetzarim là-dessus, il se réveille, tu peux tester ta température. Tu es menteur ou tu n'es pas menteur, tu es voleur ou tu n'es pas voleur, tu es nerveux ou tu n'es pas. Tu connais ceux qui te disent, moi je ne suis pas nerveux. Simplement, ils m'énervent, les gens. Tu connais ça? Moi, c'est ma sommaire, on t'énerve. Tu comprends qu'on a un système à l'intérieur de nous que tu dois.
tout le travail, c'est à l'intérieur. C'est chosek. Vous savez, on dit sur les Maccabim. Vous savez, quand on entend l'histoire de Hanouka, qu'est-ce qu'on s'imagine, les Maccabim, la vérité? On l'imagine comme Hercule ou pas, d'accord? Si tu sais comment la Gemara elle parle des Maccabim, tu vois, tout petit, mince, t'es où ils avaient cette force. On parlait, la Torah, elle parle des forces à l'intérieur. Un homme de Torah, c'est un homme fort à l'intérieur. Ça veut dire qu'il est chalit à l'atzmon. Il est roi sur lui. Il n'y a pas une colère qu'elle vient, il va tomber. Il voit une manger qu'il n'a pas à manger, il va sauter. Une femme qui lui fait un sourire, il plonge. Une trésor, il va voler. Il n'y a pas. Ou cholet, c'est quoi? Melech, il y a le cerveau, la logique. Non, stop. Non. La logique, elle règne sur tout ce qu'il y a dans les sentiments. Et les sentiments et la logique gèrent tout ce qu'il y a dans les foies, toutes les envies. Les envies qui rendent dingue l'homme. Donc, le sechel, il envie la chose. Nahon, il dit non. C'est pas bien. Le cœur, il envie la chose. Le cerveau, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas ou c'est pas bien pour toi. Donc, si c'est pas bien, c'est vrai que c'est beau et c'est magnifique, ce que tu veux. Mais tu peux pas. Donc, X, tu enlèves. Tu mets X là-dessus. Mais celui-là, qu'il a pas, il n'est pas roi sur lui, il envie quelque chose, il peut pas. Pourquoi tu as fait? Pourquoi tu as volé? Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu es tombé dans cette avera? Ah, je n'ai pas pu. J'étais faible. Les envies. C'est pour ça, hein, j'ai fait un cours là-dessus très, très fort. J'espère que vous l'avez écouté. C'est marqué « Melech memit ou marié ou matzmeach Yeshua ». C'est très, très fort, cette cours. Il faut que vous l'écoutez. Je ne sais pas quel jour. C'est jeudi, non? Jeudi, mercredi. C'est ma mâche. Avec la grenouille. J'avais compris. J'ai eu peur après. J'ai dit peut-être qu'ils n'ont pas compris. Non, si, tu as très bien dit. Après, tu as dit, ouais. Très bien. Ah, Baruch HaShem. Parce que le problème que j'arrive... Chercher la grenouille. Oh là là. Je vous rappelle, au lieu dit, mais c'est la non mais c'est bizarre parce que normalement je connais cette mot grenouille. Je sais pas pourquoi je l'ai pas, elle est pas venue. Non mais c'est bon pour nous parce que vraiment on sent que t'es dans la spontanéité, t'es dans la vérité, ça fait du bien. Mais c'est pour ça que je sais pas donner des sujets au cours. Et le mercredi, c'était quoi celui que t'as dit qu'il faut. Alors memit ou machye ou matzmeach Yeshua, ça veut dire que l'homme, ça c'est dans la tefila de Shmona Esrei. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné chacun. Écoutez ça, les filles, encore 5 minutes comme ça, on peut, un petit quart d'heure, on va partir. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à nous, chacun de nous, il gère son monde à lui. Chaque personne, c'est un monde. Tu comprends? Toi, c'est un monde. Elle, c'est un monde. Chacun, c'est un monde. Donc, on a tous des envies. D'accord? Est-ce qu'ils sont bien ou pas bien? On ne sait pas. On dit que l'enfant, depuis qu'il est né, il est très égoïste. Au moment qu'il arrive dans ce monde, le Yetzirah, il se trouve à côté. C'est-à-dire que la maman, elle accouche, le Yetzirah, direct, il rentre déjà dans le bébé. Donc, il est jusqu'à l'âge de 13 ans ou de 12 ans pour une fille, l'homme, il a que le Yetzirah. À partir de 12 ans ou de 13 ans, il a le Yetzirah Tov. Donc le combat, il commence à être un peu plus, mais Yetzer Adam Raminourav, il est très mauvais de sa naissance. Donc s'il ne travaille pas sur lui, il a que des envies, d'envie, des jalousies, des orgueils, des possédés, de l'argent, des beautés, des manger, de tout ça. Donc si tu arrives à être roi sur toi-même, tu prends toutes ces envies qui sont en ce moment dans l'égoïsme, que pour satisfaire mon égoïsme, je le tue complètement. C'est toute cette envie que je vais être riche, que je vais être belle, que je vais manger, que je vais avoir X, Y, Z. Je le tue, ces envies. Après, je les fais vivre, mais pas pour moi, pour les autres. Bien sûr que l'oye becha evyon, tu dois vivre toi aussi. Tu prends comme en passage, tu prends ce que toi tu as besoin, mais la majorité du temps, c'est pour les autres. Ce que ça fait, qu'au moment que toutes tes envies étaient dans les négatifs, dans les égoïsmes, que tout je voulais pour moi, j'ai préparé un keli. Vous comprenez? Il y avait un keli où ils étaient toutes ces envies. Maintenant, je les tue, mais j'ai le keli. J'ai ces envies, il existe. Imaginez-vous, une personne, il n'a aucune envie. C'est aussi pas bien.
Même si Hachem veut lui donner où il va lui donner. Mais là, il a cette Kéli. Donc maintenant, il l'a tué autant qu'elle est égoïste. Je ne veux plus tout ça, c'est pour moi. Je ne veux plus. Je veux toujours être riche, mais aujourd'hui, ce n'est plus pour moi pour construire des châteaux. Je veux être riche pour aider l'humanité. Donc ça change, oui ou non? Donc, tu les fais, tu les mémites, tu les fais tuer toutes ces envies, tu les fais vivre. Après, ta Yeshua, elle commence à venir. Pourquoi? Parce que dès que tu es altruiste, tu commences, toi, à être comme Hachem. Parce que quand Hachem, il est altruiste, nous, on est égoïste, on est loin d'Hachem. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'Hachem veut, qu'on soit comme lui. Ma ou afata. Hachem, il est Hanoun, Rahoum, et tout ça, nous aussi, on doit être comme lui. Mais si je prends toujours pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, je m'éloigne d'Hachem que lui, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Que tu mérites ou pas, que c'est le maman ou pas, que tu as raison ou pas, il te donne, il te donne, il te donne. Nous, même ton fils, il t'énerve maintenant, tout de suite, tu le mets en punition. Kadosh Baruch Hu, pas du tout. Tu l'énerves tout de suite, il ne te punit pas tout de suite. Il attend, peut-être tu vas faire tchouva. Vous voyez comment Kadosh Baruch Hu veut qu'on soit comme lui. Donc pour être comme lui, il faut que j'ai vouloir moi prendre pour moi. Parce que tous les problèmes, c'est quoi? Ce qu'on a dit au début des cours, que l'homme, il est très égoïste. Il veut tout pour lui. Satisfaire ses besoins. Que d'abord, personne lui change ses habitudes, ses conforts, ses plaisirs, ses habitudes de manger, de dormir, de la position de dormir. Comprenez? Il n'y a pas de problème. Mais si tu changes, que maintenant tu manges parce que je fais des tikkunim dans le monde, je mange parce que je vais être en bonne santé pour mon corps, pour bien servir Hachem. Donc déjà, ça change tout. La manière que tu manges comme un animal, comme ça, stam, sans bracha, sans rien, stam, parce que j'ai envie de manger. Ou tu veux n'importe quelle chose qu'on veut, mais je ne pense pas que pour moi. Je pense comment je peux aider le monde, aux gens autour de moi. Donc tu prends cette chose, tu les tues, tu les fais vivre. Matzmiach Yeshua. La Yeshua de la personne, elle vient quand? Quand on attend délivrance. Quand on attend le Mashiach et tout. Il faut savoir que Mashiach, il faut l'amener d'abord personnellement. Comment tu veux le voir s'il arrive? Si tu es dans une obscurité, on dit que les coqs, et les, comment on dit, les chauves-souris, les deux, ils attendent la journée. Alors les coqs, ils disent aux chauves-souris, pourquoi tu attends avec moi, toi, la journée? Mais je ne comprends pas. Moi, la journée, ça me fait vivre. Toi, la journée, ça va te tuer. Et arrive la journée, le coq commence à faire ses voix et les chauves-souris, il ne peut pas avec la lumière. Chachamim, il dit, oy vavoy, comme Mashiach arrive. Les rechaim vont être comme les chauves-souris. Et les tzadikim vont être comme les coqs. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que tu veux être chauve-souris ou coq? Pourquoi on attend Mashiach? Amène le Mashiach à toi-même. Comment on amène Mashiach à nous-mêmes? D'abord, je ne veux plus. Je ne veux pas penser qu'à moi. Donc c'est vrai que je suis fatiguée après une journée de travail. Mais tu vois que ta copine a besoin de te parler, la voisine elle a besoin d'aide. Là-bas, il y a une chose à faire. Il faut aider quelqu'un, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas... On ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Vous savez, même faire un sourire à quelqu'un, c'est Gmilut Chassadim. Et les gens, toujours tu les vois... Hachem Mishmor, des fois tu as peur de faire un sourire à quelqu'un. Tu dis quoi? Makara Zachit Baloto? Makara, il faut maintenant gagner ou avoir et quelque chose parce qu'il faut être besimra parce qu'on a la vie. Parce que Baruch Hashem, on a les yeux, on a les oreilles, on vit. Maïesh, et tu as besoin de surplus. Qui t'a dit que c'est ce qui est bien pour toi? Donc si tu arrives à voir dans chaque chose les forces qu'Hachem il met dans chaque chose, tu lis avec Hachem, tu es contente de tout. Mais si tu ne vois pas que dans cette clémentine, il y a les présences divines, tu ne la vois pas, comment tu vas voir Mashiach quand il arrive? Donc il faut amener d'abord à nous le Mashiach, délivrer-nous de notre égoïsme. Parce que l'égoïsme, il y a des égoïsmes, même entre un homme et une femme, il y a des égoïsmes. Et pour ça, il y a beaucoup de divorces, que chacun veut prendre. Qu'est-ce que tu prends? Tu vas donner. Tu veux aimer ta femme, donne-lui. Tu veux aimer ton mari, donne à ton mari. Prépare-lui des repas, repasse ses affaires. Équipe-toi de ton mari comme il faut et tu verras comment tu vas l'aimer. Mais les gens, ils attendent toute la journée. Ah, il ne m'a pas donné les fleurs. Ah, il ne m'a pas acheté les cadeaux. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. 13 ans. Ah, il n'a pas fait, il n'a pas fait, il n'a pas fait, il n'a pas fait. Que des plaintes. N'attends rien. Va-toi vers lui.
Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que je peux te faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que tu aimes manger? Maze, il va dire, qu'est-ce que tu as? Tout va bien? C'est pas grave. C'est pas, vous allez voir. Parce que quand tu donnes, tu attaches à la chose. Tu veux aimer ta copine, commence à lui donner de ton temps, de ton sourire, de ton écoute. Les gens aujourd'hui, ils peuvent très bien s'amuser toutes seules, donc ils n'ont pas besoin de se mélanger avec les téléphones. Les technologies, ils sont bien toutes seules. Il n'y a plus de communication. Tout passe par mail, SMS, WhatsApp. Les vieux, on les bien cadrés avec des super bêtes à vote, comme on dit, maison des parents, comment ils s'appellent? Les plots, j'ai les prix pour mon père, les meilleurs. J'ai dit, combien de fois tu vas les voir? Non, cette fois-ci, j'étais... Quand est-ce que je les vois? Oui, au mois de décembre. Hanouka, j'étais... Oui, tu sais quel mois on est? 2 mois, tu n'as pas vu ton père qu'il est aux bêtes à vote. C'est pas triste, ça? Ça, c'est la vie qu'elle fait qu'on est devenu victime de la société. Mais si tu as des valeurs que... C'est ton père, il t'a amené dans le monde. Combien il a transpiré pour que tu sois 1m70 aujourd'hui? D'accord? Donc tu penses autrement. Pas égoïste, pas égoïste. Il y a des, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est sûr que tu n'as pas le temps. Mais quand on veut, on trouve le temps. Hachem, il t'allergie le temps. Vous savez ce que c'est? Il t'allergie le temps, il te fait raccourcir le chemin. Tu dois passer maintenant 3 heures, tu vas voir que la journée, il va avoir des temps pour tout faire. Ça, je peux vous témoigner. Ça, vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Rak, faites le bien autour de vous. Autour de vous. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Personne ne va vous prendre ce qu'il vous appartient. Ni de vos temps, ni de votre... Rien du tout. Il faut aller vers les autres. Et là, plus tu es vers les autres, plus Akadosh Baruch Hu, tu es proche de lui. Pourquoi? Parce qu'on a forme et l'égalité. Égalité de la forme. Hachem, il veut. Il est altruiste, moi je suis altruiste, donc on a une chose en commun. Mais si je suis égoïste, Hachem qu'il m'a créé, qu'il attend que je sois comme lui, je suis égoïste et lui il est altruiste, il n'y a rien à parler. Donc je peux aller faire des voyages, d'acheter des choses et j'ai toujours tour, et tu reviens dans le même point que tu n'es pas contente, que tu as des choses qui ne vont pas. C'est parce que tu n'as pas percé vraiment les choses qu'il faut que tu sors de toi. Et des fois, Kadosh Baruch Hu, d'Afka, il nous pousse, à beaucoup de gens qu'ils croient qu'ils sont mazet tzadikim, waouh, bientôt, tu dis, waouh, c'est presque Rachel Imenu. Mais pas du tout. Après, Hachem, il lui montre, t'es pas Rachel Imenu, ne te trompe pas. Il faut que tu travailles sur toi encore. Tu dois sortir de toi encore plein de bonnes choses. Et toi, parce que tu crois que t'es Rachel Imenu, donc tu fais plus rien et tu rentres dans un orgueil total. Comprenez, Chachamim, il dit, il faut non-stop qu'on sorte de nous. Et plus tu sors de toi, tu t'imagines pas que tu es capable à donner autant de toi-même, et même toi, tu grandis. Vous ne savez pas le niveau qu'on peut atteindre. Quand la Torah, elle dit, Matai, Yagiu, Masai, Le Masai, Avotai. La Torah, elle nous dit, chaque juif doit dire, quand est-ce mes actions vont être comme mes actions d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rachel, Rivka, Veléa. Comment? On a tous les potentiels en nous. Mais il faut qu'on les mette aux pratiques. Un petit peu chaque fois, un petit peu. Bon, on fait chez Akol un petit bonbon. Pardon. Ah, tu es. Bon, ok, t'as raison. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Pri Adama. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרא אדמה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרא אדמה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרא אדמה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרא אדמה. אמן. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם בורא פרא אדמה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרא אדמה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרא אדמה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרא אדמה. אמן. 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 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרא אדמה. אמן. אמן. maintenant les petits bonbons, ça ne mange plus rien.
Allez, bonbon. C'est toujours, on le finit avec la douceur. Ah, il y a un petit peu de Shabbat. Sur quoi? Ah ouais. Ça va, David Israël? Ok, prochain, merci beaucoup. Les chemins. Vous voulez du chocolat? C'est chocolat, ça? Moi, je sais ça. Ah ouais, t'as raison, moi, je sais pas. Non, after eight. On fait les filles, on fait chez Akol. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nehiya Bidvaro. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אמן. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nehiya Bidvaro. Amen. 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 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait beaucoup de questions, tu m'as dit. Non, des cours sur le coup, voilà, plus. Voilà, c'est plus. Vous faites tous les cours en général à la semaine, je sais que le jeudi c'est à Levallois. Ouais. Bon, mardi après, c'est loin, ça, au 19e. Ah, mardi. Mercredi, non. Repos, repos. Mardi à la journée aussi. Ouais. Mardi midi aussi à Levallois. Mais t'as une question par rapport aux enfants de Bénice? Amen. Bénisse pour eux. Amen. Pour nous aussi. Ouais. Et bénisse les mamans aussi. Ouais. Les aussi. Quand on voit que les enfants, quand ils sont petits en bas âge, et qu'ils grognent beaucoup sans arrêt et tout, que nous, on perd patience et qu'on est amené à s'énerver. On sort de nos gonds. Vous voyez ce que je veux dire? Sachez une chose, comment tu étais, les enfants aussi. Quoi? Les enfants, pour nous, on était pécassés. Ouais, mais le mari aussi compte quand il est petit. Ça, c'est un autre enfant, le mari. Non, mais il compte comment lui, il était petit en plus. Il n'y a pas que nous. Belle réponse, Nathalie. Non, d'accord, ok. Et alors, d'accord, mais ça dit pas la solution. Comment, par rapport à la patience, quand on a des enfants qui grognent. Et des fois je me suis dit... Regarde, on ne peut pas... Les filles, 5 minutes. J'aime bien quand je fais une question, comme ça on peut tous, ça peut intéresser tout le monde. Raval, donc, dans 10 minutes, on va arrêter si vous voulez. Ah, au moins, c'est... Maintenant, c'est le sujet. Là, je parle d'actualité, là. Oui. Et comment rester toujours, chose qu'on ne peut pas, mais quand on sent qu'il nous pousse à bout, c'est le cas de le dire, comment arriver à se maîtriser? Parce que, sans faire exprès, moi, je sais que des fois, comme je pense tout le monde, ça me pousse à bout, je peux dire des choses que je ne pense pas, et après, ma fille, elle va me le ressortir. En me faisant culpabiliser, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais tu peux t'excuser aussi si tu dis des choses qui ne sont pas bien avec ta fille. Ça se répète. Il faut analyser des choses. Il faut savoir aussi pourquoi c'est la même. Vous savez, il y a des filles qui.
Bidiouk, les mamans qui feront les enfants de l'école entre 4h et 8h, toujours c'est les crises, les nerfs, etc. Donc essayez de voir qu'est-ce qu'il fait que chaque jour, au même moment, tu te mets dans cet état. Alors tu vas voir qu'ils veulent faire plusieurs choses à la fois. Ils veulent gagner des temps. Vite, ils veulent doucher celui-là, faire ça, répondre au téléphone, rester avec des gens au téléphone en même temps. Moi, j'aime pas, moi, jamais, je peux pas faire des cours sur l'éducation parce que quand je serai Bezrat Hashem à 120 ans avec la canne, je vais voir si j'ai réussi mon éducation. Et je suis dans les systèmes. Donc, j'ai pris Hashem chaque jour de réussir ce que je fais. Mais je ne peux pas encore parler de quelque chose que je ne sais pas encore à 100% si je le maîtrise. Tu comprends? Mais ce que je peux te donner vraiment un petit conseil, c'est qu'on travaille, c'est non-stop, on vérifie notre action. Les enfants sont partis à l'école, qu'ils s'assoient, prennent 5 minutes. Comment c'était le matin? Est-ce que j'ai maîtrisé? Est-ce que j'ai dit ça? Après, quand il revient, le soir, il y a des mots qu'on jette, ça arrive. Chevaï pour le tzadik d'akam, ce n'est pas grave qu'on s'énerve. Mais est-ce que tu te reprends tout de suite? C'est, je donnais un exemple, c'est le téléphone, il tombe dans les bains. Stam Dougma, il tombe. Tu le prends tout de suite dès qu'il est tombé, et il n'a pas encore rien qu'il est rentré comment. Si tu le laisses encore une minute, c'est fini. Donc on arrive à s'énerver, c'est pas, on n'est pas des malachs. Mais est-ce que tu te reprends tout de suite? Et tu respires, tu dis, bon, ok, ça va, ça va. Parce que la Gemara, elle te dit, kol ha-ko'es ki'ilu oved avoda zara lama. Quel rapport avoda zara, achshav, maintenant, le petit m'a énervé. Tu peux me dire, pourquoi? Parce que si tu comprends que le petit, c'est rien à voir avec toi. Lui, Léon, voyait de Hachem, de te tester 24 heures sur 24 heures. Oui, maintenant, le petit, il est parti à l'école. Mon patron. Alors, je vais m'énerver avec mon patron, je vais m'énerver avec mon fils, je vais m'énerver avec mon mari, avec toi. Il y a une base, quel est un point commun avec tout, c'est là qui m'énerve. C'est moi. Tu as compris ou pas? Tu as compris ou pas? Exactement. Tu as compris? Tu as compris, Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Tu crois que ça y est, tout? Non. Mais c'est les oncles. Exactement. Maintenant, c'est pas grave. On s'énerve, ça arrive. On peut même demander pardon aux enfants. Moi, souvent, les enfants, des fois, on se met en colère. Excuse-moi, tout à l'heure, excuse-moi. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ils imitent énormément. Ils nous imitent. Ils nous imitent. C'est ils mémorisent tout, ils imitent. C'est. Je vais te dire une chose. Un enfant, c'est un scanner. Il n'y a pas. Tu ne peux pas cacher rien d'un enfant, il sent. Tu ne peux pas faire, il faut être aimé. C'est pour ça, quand on veut éduquer bien nos enfants, il faut qu'on donne nous déjà un exemple. Quand tu ne peux pas dire à un enfant, tu lui fais un discours philosophique sur les mensonges, et quelqu'un t'appelle, tu dis, je ne suis pas là. Tu as compris? Ça veut dire quoi? Tu l'apprends quoi? À mentir. C'est pas la peine de parler. Il faut que nous, on se conduit. Qu'il voit, ok, maman, elle a des faiblesses, ok, maman, elle s'est énervée. Et alors, le Yetzara, il t'est mis dans la tête, non, tu dois être intouchable, jamais énervé et tout. Mais après, il faut aussi savoir pourquoi on s'énerve. C'est pas bien pour la santé, tu sais. C'est très, très grave pour la santé, la colère. Hein. Non, c'est pas la colère, c'est que ça peut arriver de s'énerver avec les enfants. Les enfants, il faut leur montrer, Chachamim, il dit une chose. Les enfants, il faut leur montrer les visages qu'on est en colère, pas dans le cœur. Oui, de toute façon, ils savent après qu'on n'est pas... Ils savent comment. Donc, comment gérer, il faut travailler sur beaucoup, beaucoup les colères. C'est des livres, des moussards, beaucoup, beaucoup sur la colère. Moi, je peux te raconter quelque chose aujourd'hui, okay. Tu vas rigoler avec le bébé. J'ai des grands, j'ai un bébé de 2 ans. Donc, j'ai un bébé de 2 ans et demi. Ma mâche. Je me lève tôt. Et les rabbins ils sont sortis. Maintenant, j'ai pas la femme de ménage. Je vais toute la maison. Je prends le temps, je suis belle. Et les enfants, ils sont propres. Le bébé est sorti. 10h30, timing, tout est bien, bien. Je dis, bah, au prochain, à midi, je suis bien avec le de Jbokro, je me prépare. Maintenant, le petit, je suis bien en place. Et tu vois le petit, mais j'étais zen, bah, au prochain.
Maman, un mot, trois mots, deux phrases. J'ai eu la chance. Pardon. Je regardais que le beaucoup, j'ai dit, maintenant je comprends combien on te casse la tête pour me la répondre directement avec toi. Mais il y en a sans qui. Tu as compris? Mais j'ai compris comment le petit fait avec moi, comment moi je fais avec toi. Ah oui, moi aussi, je fais beaucoup cette métaphore. Donc du coup, je me suis calmée, j'ai répondu au bébé. La vitalité, elle pouvait pas passer. Mais d'avoir cette chance d'avoir fait ça, j'ai désamorcé, je parle au bébé. Et après, je refais 10 minutes après. C'est vrai. Mais c'est vrai, des fois, on se dit, de la même façon, comment ils nous grognent, ils sont derrière nous, comment on en a marre, comment Dieu est en a marre aussi. Mais si je t'ai dit dans ce qu'il dit, les Chachamim, comment il appelle Hachem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous supporte tout ce qu'on fait, combien de fois par jour on pense négatif sur les gens, on parle mal, on fait de la shonara, on s'énerve. Normalement, si Akadosh Baruch Hu, il était rigueur, parce qu'au début, Hachem, il voulait créer le monde, mais Midat Adin, qu'est dans la rigueur? Il a vu que le monde ne pourrait pas exister. C'est impossible. Quelle rigueur? Personne, même si on prend Avraham Avinu, Kol HaTzadikim, si Hachem, il est juge qu'est dans la rigueur, personne ne peut tenir dans ce jugement. Il a rajouté Midat Arachamim. Il a rajouté la miséricorde. Donc, il a des miséricordes. C'est pour ça, l'homme, il se trompe. Il faute. Il dit, ça va. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il raconte, tout cela, avec leur Torah, qu'il faut faire attention. Parce qu'il ne croit pas qu'Hachem, il attend que tu te réveilles. Mais quand il y a un temps qu'il a décidé, quand le temps, il arrive, tu peux monter, descendre, c'est comme ça, tu comprends? Mais ça ne vaut pas dire qu'il n'est pas... Il fait les jugements, mais il est Rahman. L'homme, il est plus cruel qu'Hachem. L'homme, tu vois les gens, avec leur propre frère, il ne veut pas parler. Hachem, il est mort. Même, non, pour X des choses. Le père ne veut pas parler avec son fils, le fils ne veut pas parler avec la maman. C'est où on est arrivé. Alors, quand tu vois Hachem, comment il est Rahman, combien de choses on a fait devant Hachem, Egel Zahav. On a fait. Il nous a pardonné, il a recommencé. Ça veut dire qu'il ne voulait pas. Il a dit à Moshe, t'azov, laisse-moi ce peuple. Je ne peux plus voir avec eux. Chaque fois, il me teste. Hachem lui a dit à Moshe, de toi, je vais commencer une nouvelle nation. Moshe, il arrive, si elle convainc Hachem, il a pardonné, il a commencé. Adam Arishon, Cain, tout. Ce n'est pas qu'il n'y a pas les jugements. Il y a les jugements, mais il y a les rachamim dans les jugements. Vous comprenez? Nous, on est que quand on est dur, waouh. Pour ça, il faut être méal, aller plus au-dehors de ce qu'on peut faire plus. Et kol amerachem, merachmim alav min hashamayim. Celui-là qui il a des pitiés pour les gens, pitié pour ses enfants, pour son mari, sachez que du ciel, ils auront des pitiés pour lui. Il y a des femmes qui sont cruelles avec leur propre mari, avec leur propre enfant. Et quand la femme elle est cruelle, Hachem et Azor, il va jusqu'au bout. Et il ne faut pas. Il faut être Rahman. Il faut être quelqu'un cruel. Quand il y a des femmes qui sont des fois cruelles avec leur femme, leur mari et leurs enfants. Parce qu'elles ont une tactique d'éducation ou qu'ils gardent des certaines rancunes. Et elles sortent en chaque occasion. Et c'est elle qu'elle souffre à la fin. Mais en attendant, quand quelqu'un il est trop digne, quand il est trop rigueur, il tire le rigueur sur lui, chas v'chalila. Bah oui, tout est mesure par mesure. Les gens, ils disent, ah, moi, je ne peux pas le pardonner. Je dis, ne pardonne pas. Mais sache que toi aussi, on ne te pardonne pas. C'est toi qui fais ton jugement toute seule. Tu comprends? Ça, c'est des choses qui, pour ça, aujourd'hui, il y a tellement de choses. Les gens, ils ne s'imaginent pas, par exemple, que dire des gros mots, ce n'est pas bien. Ils ne s'imaginent pas, ils disent, qu'est-ce qu'il y a, Charles Archov. Le français, il utilise beaucoup de gros mots. C'est honteux quand tu... il n'y a pas la propreté. Et ça, chez un juif, il ne faut pas. Les gens, ils ne s'imaginent pas que dire des gros mots, c'est quelque chose qui abîme la neshama. Même quelqu'un qui est à côté de toi, il s'abîme. Bichlal, des choses... Donc, tu vois, il y a plein de petites choses... qu'on ne sait pas que ça ramène autre chose. Donc c'est comme si tu tires des fils, mais de l'autre côté aussi, ça descend.
אבל בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ינודון סייעתא דשמיא כאון שבע כדבון, כאון שבע בון, כאון פה לשוז בשמחה, כאון בבריאות, סידיובה כאון פה, אחד הממעיט ואחד המרבה. בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז כאילו קונט, כתיפה אמפה ותיפה בוקו, תהיה לאטנציון, פרופר ספור הקדוש ברוך הוא. כי השם ישוא קונטון דה ספפ. אז כאילו קונטו עטיפה עם בון תפילה. יעל, שכן כלפי עם בון שוספה כבופת כדבי הפורבו. וזמנה תות לשפע שורעה מישראל, תוספה כל קטסוף או נביט, קונטיפה שהכל עם כוונה. תקופרו, און סיגמג'ין פה? סיבה תביא פה סול. פותת לום פיזיק כמו אילה סול. מאילה הנעונת השה, ספירת יואל מוע וכתול מונד. סיפורסה קונטיפה כל כשוס דביה, תרמן לברכה שורתות עם ישראל. קונטיפה כל כשוס דמל. La même chose, chas v'chel. Pour ça, Bezrat Hashem, qu'on se renforce, si Dieu veut le plus possible. Ça, c'est une belle image, la dernière. Le meilleur Nisiyat HaMishma, c'est la grande Hashem. Ah oui, Siyat HaMishma, c'est l'aide l'aide d'Hashem. C'est pas la grande. Non, Irat Shamaim, c'est la grande Hashem. La Irat Shamaim, c'est la grande Hashem, c'est l'Irat Shamaim. Et Irat Hashem, celui-là qui a la ira, il a tout. Celui-là qui a la crainte d'Hachem, même s'il n'a rien, il aura tout. Mais celui-là qui a tout, mais il n'a pas la crainte d'Hachem, il n'a rien. Les gens, ils croient. La Torah, ce n'est pas une philosophie. Comprends, les gens, ils font des philosophies, nanana, mais au fond de eux, ils n'ont pas vraiment la crainte d'Hachem. Ce qui compte, c'est avoir la crainte d'Hachem, savoir qu'il y a Dieu. Que tout à la millimètre, il est jugé dans ce monde. Et ça, ça développe la crainte d'Hachem. Il y a des gens qui peuvent savoir beaucoup, beaucoup de choses, mamash, connaît les choses, mais ils n'ont pas la crainte d'Hachem. La crainte, c'est aussi la peur de Dieu. Il faut la crainte. C'est le respect. Oui, mais il y a, dans la crainte, il y a deux niveaux. Il y a l'hirat haromemud, de la grandeur d'Hachem, que tu as la crainte de waouh, quand tu vois un roi. T'es impressionné, crainte, c'est les meilleures craintes qu'on peut arriver avec un travail, mais tu as la crainte de onesh, tu as la crainte de punition, qu'elle aussi, ça, matrice chez le chemin, mais il y a le chemin. Tu comprends des fois, des peurs, des punitions, c'est aussi quelque chose qui le ramène à l'homme à travailler. Mais à travers d'une crainte de punition, tu arrives à une crainte après, d'amour d'Hachem. בעזרת השם, סי לידות קסיון, סינו... אסקי ווזווה דות קסיון. כוא, אליה דה קסיון, אמי? כן. אלי יעל, אלי יעל. Moi, j'ai besoin de témoignages de femmes pour le 26 mars. Je laisse trois quarts d'heure. Beaucoup de filles, mais une fois, on a fait ça il y a un an. Si vous connaissez, tu te rappelles? Si vous connaissez des gens qui veulent témoigner, mais une histoire de chizouk. Chizouk, c'est de quelque chose, l'histoire de comme un miracle, quelque chose que... Quand tu écoutes l'histoire, waouh, tu dis, ça chizouk, c'est important, j'ai besoin de renforcement. On coupe l'enregistrement. Raconte-nous. מנגינת קינות תקסים את הלב ולהצליל רועד בוקע ממיתרים נשפח כן נגן קינור נגן שיריך לרב החושך והשקט סביב מנגינותיך ישכיחו את סבלי נגן נגן
אני ליבי כבשת ועזבת אני אהובה תביא פנים